Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagné de Madame Elisabeth Rivera et Monsieur Antoine Bitard, qui représentent l'association MAD Canada, mais aussi un regroupement de victimes d'alcool au volant. Aujourd'hui, nous avons assisté à un moment surréel en commission parlementaire. La commission parlementaire, on étudie un projet de loi sur la sécurité routière. Monsieur Bitard et Madame Rivera nous ont informé qu'ils étaient obligés de payer 100 dollars pour avoir quelques minutes d'échange avec Madame la ministre suite à l'invitation de la députée de Solange. Le couple en question que nous avons avec nous aujourd'hui faisait la promotion que le Québec doit réduire la limite de l'alcool au volant, de la baisser de 0,08 à 0,05. Et vous avez vu tout au long de cette semaine plusieurs organismes, l'Institut de santé publique, l'Association de santé publique, la CA Québec, ils nous ont tous dit que le Québec doit aller vers le 0,05 et même en Colombie-Britannique, le fait de baisser à 0,05, ça a aidé la baisse de risque de collision mortelle de 52%. Donc, je cède la parole à Madame Rivera. Présentez-vous et brièvement quelques mots si vous voulez. Parfait. Bonjour, Elisabeth Rivera. Je siège sur le conseil d'administration des MAD Montréal. Mon mari et moi avons perdu notre fille en 2017 des suites d'une collision impliquant l'alcool et la vitesse au volant. Alors depuis, on milite pour cette cause. On trouve que c'est important de faire quelque chose. Comme je l'ai dit depuis le début, moi je me demandais toujours comment faire pour que sa mort ne soit pas en vain et qu'on puisse faire un changement, c'est-à-dire de trouver quelque chose de négatif par le positif. Et c'est pour ça qu'on milite cette cause et on demande au gouvernement les sanctions administratives à 0,05. Monsieur Bétard, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, écoutez, on milite vraiment pour, et on ne parle pas du code criminel 08, on parle vraiment de sanctions administratives, qui est la même chose que passer une lumière rouge ou un stop. Vous n'avez pas de casier criminel. On veut faire une clarification. Et pour nous, on s'est aperçu, plus on parle aux gens dans les yeux, on leur explique exactement qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on espère que ça n'arrivera jamais à eux ou à leur famille, on s'est aperçu qu'il y avait un impact. Les gens nous demandent, ben, j'ai pas envie d'arrêter de prendre une bière ou deux bières, je me sens capable de le faire. L'ennui, c'est qu'il n'y a personne qui peut vraiment garantir quel taux il est en conduisant. Mais je lui dis de la même façon, si toi tu es sûr, il y a peut-être quelqu'un qui a décidé de prendre trois bières et d'être passé à 0,07 et d'aller sur ta rue peut-être tuer des enfants. On ne sait jamais. C'est comme une maladie, on ne sait jamais qui va t'attraper. Mais la chose qu'on demande au gouvernement, c'est de, au lieu de faire des systèmes après que les gens se fassent attraper, on voudrait avoir les systèmes pour attraper les gens, pour leur faire comprendre que non, il y a une limite et on t'entraîne de te dire que tu peux être une voiture, c'est une arme. En plus, avec un alcoolémie, ça devient beaucoup plus dangereux. On sait que déjà à 0,5, on perd 40% de ses attributs, de ses capacités à bien conduire. Écoutez, c'est facile à sauver des vies. Merci. On comprend que vous êtes dans un enjeu militant, que vous militez pour une cause, c'est-à-dire faire abaisser le niveau d'alcoolémie. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est la conversation que vous avez eue avec le bureau de Geneviève Guilbeault. Qui vous a et quelle preuve vous avez que les gens vous ont demandé de payer 100 $ pour aller participer à un cocktail pour aller parler de votre cause qui vous tient à cœur parce que vous avez perdu votre fille? Qui vous a... Écoutez, moi j'avais rencontré Mme Picard au mois de juin. Qui est Mme Picard? La députée de Soulanges. C'est votre députée? Pardon? Non, c'est pas votre députée. Sauf qu'on a été communiquer avec elle parce qu'on s'est fait dire qu'elle avait perdu quelqu'un, son beau-fils, suite à aux mêmes conditions que nous, alcool au volant. On pensait que ça aurait été la bonne personne de pouvoir faire des représentations au gouvernement en disant, moi aussi, je suis victime. Je comprends par où ils passent. Ils veulent sauver des vies. C'est la même chose pour nous. Une fois que je l'ai rencontré, on a eu des échanges de courriels avec son bureau, Mme Turbide. À un certain moment, au mois de août, je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir une réponse pour savoir si j'ai votre appui, vous pouvez mettre la pétition. Je n'ai pas vraiment eu de réponse, mais je lui ai dit que si je n'avais pas de réponse d'ici une semaine, j'agirais différemment et c'est pour ça qu'on a approché M. Deradji. Plus tard, au mois d'octobre,
Écoutez, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est important à noter, à suivre. Alors, je ne peux pas vous dire mot pour mot, moment pour moment. Mais d'après mes souvenirs, j'ai dû recevoir un coup de téléphone en disant, écoutez, on a Madame Guilbeault sera dans notre circonscription. On a une campagne de financement. C'est une possibilité pour vous de pouvoir la rencontrer. Est-ce qu'ils nous ont dit que c'était 2 minutes à ce moment-là ou plus tard? Mais gros. Et c'était Mme Picard qui vous a... Non, c'était le bureau de Mme Picard. Ça a été Mme Turbide, si je me souviens bien. Donc, c'est quelqu'un du bureau de Mme Picard qui vous a appelé pour vous suggérer de vous rendre à un événement de Mme Guilbeault. Oui, bien, un événement de Mme Picard. Où est-ce que Mme Guilbeault serait là? Je pense que... puis, vous me posez la question, je vois que c'est devenu quelque chose d'important. La chose que j'ai, c'est un reçu de la CAQ me confirmant que j'ai été... que je suis accepté. Et je vois que j'ai un reçu du directeur général... qui me dit que j'ai payé 100 $. Quel est votre sentiment à ce moment-là? Bien, écoutez, c'est sûr que 100 $, on ne comprend pas pourquoi on doit payer pour. Est-ce que j'ai questionné si c'était la manière de faire ou non? Tout ce que je me suis dit, c'est la seule chance que j'ai de pouvoir parler à Mme Guilbeault. Parce que, comme je vous dis, on voit que quand on parle aux gens, on leur explique face à face, il y a un changement d'attitude. Alors, pour nous, c'est la chose la plus importante. Tenter d'autres tentatives pour rentrer en contact avec la ministre des Transports. On a fait des lettres ouvertes, on a fait des articles, on a passé à la radio en disant que c'est sûr qu'on voudrait pouvoir lui parler. Essayer des contacts directs pour parler à la ministre des Transports. D'après moi, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est vous qui décidez si c'est direct, c'est d'avoir envoyé notre lettre ouverte dans les journaux et au ministère aussi. Et ça, je ne peux pas vous le dire si c'était du temps de l'ancien ministre ou de Mme Guilbeault. Mais je sais que généralement, ça fait... Monsieur Bernadel, qui était avant, c'est ça. C'est la première lettre ouverte qu'on avait faite. On faisait les mêmes demandes. Puis on a fait d'autres demandes. Mais est-ce que j'ai fait une demande officielle de rencontrer Mme par écrit, par... Je ne pourrais pas vous le dire. Comme je vous dis, on a fait tellement de choses. On a envoyé tellement de courriels à des journalistes pour les sensibiliser. Je ne peux pas vous dire, mais... Et aujourd'hui, vous sentez comment quand vous voyez le truc sur le financement, que vous avez été obligé de payer 100 $? Je pense que ce qui me dérange le plus, c'est qu'on est venu pour une chose ici, pour demander au gouvernement de descendre du 0.08 au 0.05 en essayant de la convaincre de l'importance de sauver des vies. Et je ne veux pas dire que c'est déraillé sur le 100 $, mais je vois que c'est important. Alors, je suis un petit peu indécis parce que je comprends que c'est important. Je me suis aperçu que... on s'aperçoit que c'est important parce que... À la rigolade, je lui dis, en 5 minutes, on a eu plus de demandes d'interview qu'on a eu en 1 an, malgré tous les efforts qu'on a faits. Alors, on comprend que c'est important. Mais pour nous, la chose la plus importante, c'est le 0.08 à 0.05. Ça ne vous dérangeait pas, vous, là. Ce que vous vouliez, c'est un accès direct à la ministre. Bien, il faut lui parler. Je veux dire, c'est comme je vous parle à vous. Vous me posez une question, je vais vous répondre tout de suite. Si je vous écris une lettre, vous ne me répondez pas, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. La seule chose qui est importante, c'est qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se parle, qu'elle vous explique pourquoi. C'est quoi ma vie, moi, aujourd'hui? Ce que j'essaye d'éviter à d'autres personnes. Et comme je dis, c'est que quand vous me dites non, parce qu'elle venait de dire non, son bureau venait de dire que non, il n'y aura pas d'amendement, on était frustrés, fâchés, je dis non, c'est inacceptable une réponse comme ça, il faut qu'on lui parle. Alors quand c'est arrivé, qu'on a dit, ben, tu veux lui parler, on a une ouverture, mais... Qu'on peut lui parler, que si on fait des démarches, est-ce que vous la croyez avec ce que vous venez de traverser, que vous l'avez Madame, essayé plusieurs Madame Guilbeault? Fois? Oui. Écoutez, je suis pas politicien. On est vraiment une famille de victimes, on ne sait pas. Je veux dire, on ne sait pas comment ça fonctionne. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on vient de rentrer dans un certain embrayage. Mais, écoute, elle est revenue nous voir après, puis je lui dis, toutes les raisons que vous allez nous donner pour ne pas le faire, ce sera toujours inacceptable. Comme pour nous, on vous dit que n'importe quelle sentence que la personne a eue qui a tué notre fille sera acceptable. Nous, on a une sentence à vie. Cette personne-là, aujourd'hui, elle est déjà sortie, elle peut se marier, elle peut faire des affaires, elle peut faire ce qu'elle veut, tandis que notre fille ne peut pas le faire. Et nous et nos enfants, on vit avec un boulet. Excusez-moi, je voulais poser un terme. Vous avez dit cet automne, Mme Guilbeault avait fermé la porte à ça au 0.05. Bien, elle s'est passée à la radio, oui. Exact. Est-ce que vous avez l'impression qu'après votre rencontre face à face, son attitude ou son opinion, ou il y a quelque chose qui a changé, vous lui avez reparlé aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle est plus ouverte à ça? Je pense que oui, mais je veux dire, c'est... Je pense que... J'ai suivi un petit peu la commission.
Et j'ai vu tous les experts venir. J'ai vu aussi, il y a eu des questions à des groupes, à des parents, leur disant, pensez-vous que c'est important? Tout le monde a répondu oui. Alors, je pense que je ne veux pas dire la décision, mais je pense que la direction que le gouvernement va prendre avec ce qu'ils ont passé, c'est des audiences pour savoir ce que les gens pensent. Les gens vous disent, on doit l'avoir. Alors, je pense que plus, il doit y avoir quelque chose. Je vais juste ajouter un point, parce que pour les gens qui n'étaient pas là, juste écoutez, on est dans une situation de couple aussi, c'est Madame Rivera, ses propos, ils étaient très, très clairs. Il a senti le malaise. Il a senti le malaise que pour faire avancer sa cause, on l'invite à un cocktail de financement. C'est ça le malaise. Donc, moi, je l'ai mentionné, ça va être l'amendement Jessica. Il sera déposé quand on va commencer l'étude détaillée pour honorer sa mémoire, mais aussi pour voir où, jusqu'à quel point le gouvernement va aller dans ce sens. Donc, encore une fois, le témoignage aujourd'hui de Mme Rivera était très clair. Il a senti le malaise. Au-delà de la contribution, monsieur ou madame, au-delà de la contribution à la caisse du parti, l'événement en tant que tel, le fait que vous viviez vraiment dans un cocktail, là, vous militez pour abaisser le taux d'alcoolémie, on vous invite dans un endroit où on sert de l'alcool, tout le monde a à peu près un verre à la main, est-ce que j'imagine que ça pouvait créer un certain malaise ça aussi? Non, parce qu'on n'est pas contre l'alcool, mais on est contre l'alcool au volant. Alors, c'est différent. C'est comme milite, c'est si on boit, on ne conduit pas. Et comme M. Deragy l'a dit, quand mon mari m'a dit qu'il faut qu'on aille à ce cocktail financement, moi, je n'étais pas d'accord. Moi, j'ai dit, pourquoi il faut payer? Madame Picard, qui travaille avec Madame Guilbeault, peut nous aider à avoir une rencontre avec la ministre. Et à la place, on nous appelle. Mais honnêtement, comme on dit, aujourd'hui, nous... On est ici pour le point 05. On ne pensait pas que ça allait prendre des mesures comme ça, ça prend maintenant. Et c'est sûr que c'est inacceptable. Mais vous êtes senti délaissé par votre députée. Je crois que c'est ça que je comprends. C'est ça. Elle n'est pas notre députée, mais mon mari a été la rencontrer. Vous voyez, on cherche tous les moyens pour que quelqu'un nous qui parraine cette pétition. Vous n'êtes pas senti soutenu par un élu de la CAQ? Non, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. Nous, on n'est pas... On cherche juste à avoir quelqu'un qui... Vous voulez faire des changements. Oui, c'est ça. Oui, mais... Mais on politique. Parle parce qu'on n'est pas... Mais vous n'êtes pas des politiciens. Oui, c'est ça. Mais oui, vous c'est êtes ça pas senti écouté par quelqu'un que vous pensiez qu'il aurait pu vous écouter. Mais qui pourrait nous aider, c'est ça. Moi, je me suis dit, cette femme, elle a vécu pas la même chose que nous, mais on pourrait se comparer un peu. Moi, je me dis, c'est le manque de sensibilité, peut-être, ou aussi, pour elle, c'était pas important, j'imagine, je ne sais pas. Mais le fait qu'on nous invite, c'est sûr que j'ai senti un malaise, je n'étais pas d'accord, mais j'ai suivi mon mari parce qu'il m'a dit, Elisabeth, c'est le moment qu'on puisse parler avec la ministre, il n'y aurait pas d'autre moment. Et quand j'ai quitté, honnêtement, j'étais déçue parce que je sais qu'il n'y avait rien qui allait changer. Pensez-vous que ça va changer dès qu'aujourd'hui, là? Parce que là, ça fait du bruit. Je l'espère. J'espère qu'on nous a entendus. Mon mari l'a mentionné, il y a beaucoup d'études. Alors, tout est sur la table, juste pour dire, OK, on est prêt au changement. Et comme il a dit encore, on n'est pas la première province qui va le faire. On va être la dernière. Alors, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer cette cause. Et juste pour répondre à votre question, M. Laforêt, ça va être l'amendement Jessica parce que les évidences scientifiques sont là. Plusieurs organismes sont venus pendant la commission parlementaire, c'est à Québec, l'Association de la santé publique, ainsi que l'INSPQ et d'autres organismes qui ont appuyé le fait d'aller au 005. La Colombie-Britannique l'a fait, 52% de moins de collisions mortelles. Je pense que le Québec est prêt. Le sondage, le dernier sondage de la Coop, de l'Info, donnait 61% d'appui. Donc, nous, on va aller de l'avant et j'ai promis au COP, ça va être l'amendement Jessica pour honorer sa mémoire. On verra le gouvernement qu'est-ce qu'il va répondre. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, parce que moi, j'ai la preuve que le bureau de Mme Picard a répondu, soit suite à la confirmation de M. Bitard et Mme Rivera à leur présence en cocktail par une adresse e-mail de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est au-delà du financement. Ce que je confirme, ce que je veux que les gens comprennent, que ce couple qui a perdu une fille de l'âge de 26 ans, qui milite depuis plusieurs années à ce qu'on reconnaisse leur cause, c'est ça, moi, qui me motive aujourd'hui à aller de l'avant. Donc oui, il y a une histoire,
M. Bétard n'est pas un politicien, Mme Rivera ne l'est pas. Ils sont des militants pour une cause juste que je vais mener au nom de JCK, mais je trouve inacceptable, inacceptable au Québec, qu'on utilise la détresse d'un couple pour faire avancer la caisse électorale caquiste. C'est ça, moi, aujourd'hui, que je déplore. Il n'y a aucun couple au Québec endeuillé qui doit payer aucune somme pour rencontrer un ou une ministre. C'est utiliser la détresse humaine pour faire avancer la caisse électorale caquiste. C'est ça que je déplore.